Hier, je vois passer Bouddha devant moi avec une espèce de vieux pull. Je dis, mais pourquoi est-ce que tu mets encore ce pull? Ouais, j'ai pas d'autre. Mais je dis, ben viens alors. Je dis, t'emmènes faire du shopping. Ouais, pas besoin. Soi-disant, il n'a jamais besoin de vêtements. S'il pouvait, il se baladerait avec des trous partout. Je l'emmène dans le magasin. Super grand magasin, plein de choix. Il avance dans le magasin, mais il ne regarde rien. Je dis, mais et ça, tu n'aimes pas? Bof. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est une couleur que tu aimes bien. Ouais, j'aime pas parce qu'il y a un truc là, j'aime pas. Je dis, mais regarde ce pull-là. Ben non, parce que c'est trop grand ici, alors j'aime pas la capuche. Qui est celui-là? Ouais, c'est de la laine, c'est trop chaud. Bref, je le pousse dans la cabine avec des trucs. Je lui demande, je sais qu'une énergie du feu de Dieu en train d'essayer de lui trouver toutes sortes de vêtements. Il essaye. Il y en a plein qui sont beaux. Il sort de la cabine, il fait non. Bon, bah alors je dis, on rentre à la maison et si tu veux, on fait un shopping en ligne. Oh, j'aime pas parce que je préfère essayer. Je lui dis, mais ton truc bouloche là. Je vois quand même bien que ça fait un peu des. C'est pas très. Moi, je l'adore ce pull. Ok. Eh bah, quand maman jouera à Paris, eh bah, tu trouveras. Voilà. Et là, il me fait, ouais, je suis pas sûre que j'ai vraiment envie d'aller à Paris. Eh ben, tu n'as qu'à rester avec tes vieux pulls avec des trous, et le budget que j'avais prévu pour toi, pour te rhabiller, eh ben, je le consacrerai pour moi. Oh oui, à Paris, ça va être bien, ça. Oui.